Et en ce jeudi 18 mai 2023, 9h45, heure du Québec, j'espère que vous allez bien dans le monde vraiment qui tourbillonne, qui nous fait tourner la tête, puis qui nous rend probablement gaga. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, on le voit, la politique, c'est devenu vraiment du n'importe quoi. Que ce soit en France, au Québec, au Canada, aux États-Unis, le monde est devenu complètement cinglé. D'un côté, si on prend l'exemple des États-Unis, tu as le Parti républicain, le Parti démocrate, qui est en fond le même parti. On est tous dans des pays à parti unique, on ne veut pas l'admettre, mais c'est ça, tout ce monde-là est financé par les mêmes grandes poches, appelons-les comme ça, ces espèces de ce complexe oligarchique qui nous gouverne. Et ces gens-là nous distraient, nous divisent, puis parlent de sujets tellement insignifiants à longueur de journée. Aux États-Unis, tu as les républicains qui sont... Puis les contradictions sont tellement évidentes, puis il n'y a personne qui s'en rend compte, on dirait. Je te donne l'exemple des républicains aux États-Unis. Ces gens-là, depuis des années, font la promotion d'un petit gouvernement, d'un gouvernement qui ne se met pas le nez dans les affaires des gens. Mais c'est eux qui sont en train, puis d'ailleurs, c'est une patate chaude pour eux, parce que pendant 40-50 ans, tu as des groupes d'activistes conservateurs religieux qui ont lutté, et lutté, et lutté pour faire renverser la fameuse décision de la Cour suprême de Roe versus Wade dans les années 70 concernant l'avortement, qui avait comme légalisé l'avortement, ou c'est complexe, là, mais... On n'en parlait plus, c'est une question qui est mise de côté, c'est une décision personnelle qu'une femme doit prendre, puis elle peut peut-être consulter son homme, je ne sais pas, mais ça regarde plus les femmes. Et là, cette décision-là a été renversée parce que, au fil des années, surtout durant la présidence de Donald Trump, il a eu la chance de nommer 3 juges conservateurs. Et ces gens-là ont renversé cette décision-là, qui faisait l'unanimité, on pourrait dire, depuis 40-50 ans, et ont retourné aux États la décision de légiférer, c'est-à-dire sur la question de l'avortement, le pouvoir de légiférer sur la question de l'avortement, et ça a créé un raz-de-marée, un backlash, comme on dit, pour les républicains. Depuis ce temps-là, ils ne sont plus capables de gagner une seule élection. Parce que c'est venu perturbés. D'abord, les femmes représentent 50% de la population, à peu près. Et tu as plein d'hommes qui aussi se sont dit, ça ne nous regarde pas. Tout allait bien. Je ne sais pas pourquoi on a réouvert cette boîte de crabes. Donc, toi, tu fais la promotion d'un petit gouvernement qui ne se met pas le nez dans tes affaires. Tu critiques les autres pays à tendance religieuse qui mêlent la religion, la politique, puis tout ça. Puis toi, tu fais la même chose. Exactement la même chose. Tu viens te mettre le nez dans les affaires du monde, notamment, plus pour les femmes. Tout ça sous un angle religieux. Parce que l'avortement, c'est une question religieuse. C'est une question de principe religieux. Et comme le rappelait George Carlin à une certaine époque de son vivant, dans un de ses spectacles, il dit... C'est bizarre. Quand il est question de poulet, c'est une omelette. Quand c'est question des êtres humains, c'est un avortement. Tu comprends? Donc, c'est une question religieuse. Avant tout. Donc, ces républicains-là qui dénoncent les théocraties établissent eux-mêmes une théocratie. D'autres questions qui sont aussi contradictoires. Ils se mettent le nez dans les livres, ils se mettent le nez dans l'histoire du mouvement transgenre. Ça regarde personne d'autre que la personne qui décide de devenir transgenre. Puis que des commerces offrent des toilettes transgenres, ça change quoi? Maintenant, quand tu vas plus loin dans la question concernant, par exemple, ces hommes biologiques qui se prétendent être femmes, regarde, des deux côtés, c'est complètement cinglé. Puis c'est vraiment une banalité, là.
c'est vraiment une banalité. Qu'on passe du temps, puis que tout le monde se batte, et que tous les médias, puis les industries embarquent là-dedans, puis qu'on ne nous parle que de ça pendant que le monde est en train de s'écrouler sous les dettes, pendant qu'il n'y a personne qui a encore demandé comment ça se fait qu'on laisse l'impression de l'argent, le contrôle de l'argent, le prêt de l'argent au gouvernement qui emprunte auprès du secteur privé, des banques privées, pour nous endetter avec des intérêts puis nous faire payer les intérêts, comment ça se fait qu'il n'y a pas un de ces politiciens-là qui a tellement le sort de l'humanité à cœur qui ne soulève pas la question « Hey, comment ça se fait que le gouvernement n'imprime pas l'argent à zéro intérêt? Ça changerait quoi dans la vie de qui que ce soit, ça? » Ah oui, c'est vrai, ça changerait quelque chose dans le complexe oligarchique. Il ferait plus d'argent puis il dominerait plus. Mais vois-tu comment c'est devenu gaga? Puis autant des deux côtés. Et ça fait avancer absolument pas le sort de l'humanité. C'est des combats vraiment de type animal, là, c'est bestial. C'est de premier niveau. Pendant que 90% de la population est dans la pauvreté, de la population mondiale, 90% de la population n'a pas accès à de l'eau, pas accès à d'électricité, pas accès à aucun confort. Tu as tous ces petits blancs bonnets. Bonnet blanc, parce que c'est tous des blancs en plus. Ils sont là à faire la promotion de l'équité, de l'égalité, mais ils font juste la promotion de toujours, toujours les mêmes droits pour le même monde. Je te donne l'exemple. Dans le monde de l'industrie, dans le monde du secteur bancaire et d'investissement, on a ce qu'on appelle le CEI. Il y a sûrement un équivalent en français, puis en France puis au Canada. C'est le Corporate Equality Index. C'est-à-dire que, en plus, c'est supervisé par le Human Rights Campaign. Et ça, c'est pour s'assurer que les dirigeants comme Nike, Anheuser-Busch, on a vu avec leur publicité, avec Dylan Mulvaney sur la Bud Light, que ça avait causé aussi un raz-de-marée. Et Kate Spade, juste pour en mentionner quelques-uns, ont transformé l'influenceur controversé Dylan Mulvaney en la petite it girl éveillée woke d'aujourd'hui. Mais, c'est pas les seuls à nous signaler la vertu. Ici, on voit, c'est un homme, Kate Spade, qui prétend ou qui se dit être dans sa tête une femme, là, parce qu'il y a toutes ses parties génitales. Moi, j'ai rien contre ça, je suis ouvert à ça. Mais de voir les entreprises prendre un petit homme blanc comme ça, parce que c'est un petit homme blanc, et le promouvoir et en faire un combat, moi, je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde qui ont besoin d'aide. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes dans plusieurs pays du monde sont en détresse. Beaucoup, beaucoup de femmes ont accès à rien, et surtout pas accès à ce que ce petit garçon-là. Puis moi, j'ai rien contre ça, je suis ouvert à ça. Mais je ne sais pas, de prendre un petit homme blanc puis de le rentrer dans l'univers des femmes puis de faire de ça un combat ultime, alors que toutes les jeunes filles, presque la totalité des jeunes filles du monde, 90% de la population vit dans la misère, mais 90% de cette 100% de cette population-là féminine vit sous des oppressions diverses. Et c'est comme devenu complètement, complètement effacé. La vraie défense du droit des vraies femmes. Et de prétendre que ça, c'est quelque chose de vertueux puis de noble, moi, je le sais pas. Je suis pas une femme, mais je serais bien fâché si j'étais une femme de voir un petit garçon blanc comme ça, parce qu'il est tout petit, avoir des contrats de publicité en usurpant une identité, dans le fond, c'est ça que tu n'es pas. Puis d'avoir les entreprises, les médias, puis tous les ténors de notre monde prendre ça comme un combat, puis de défendre ça. Mais il n'y a personne qui s'oppose à ça de toute façon. Là. C'est comme du n'importe quoi. Puis encore là, eux qui nous traitent de suprémacistes blancs, j'ai pas vu dans toute la... Je suis allé faire beaucoup, beaucoup de recherches sur le mouvement des transgenres.
que je respecte, que je... Moi, j'ai rien contre ça. Tu vis ta vie comme tu veux. Il n'y a pas un gouvernement qui doit se mettre le nez là-dedans. Mais de prendre ça puis d'en faire un élément de grand combat, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'interdiction nulle part de qui que ce soit. Puis d'oublier toutes les femmes du monde qui ont vraiment un grand besoin d'aide et sont dans la détresse pour un petit garçon comme ça, là, blanc, qui veut attirer l'attention puis devenir populaire, faire de l'argent. Moi, je n'ai rien contre ça, je suis bien content pour lui, mais de prendre ça comme une emblème puis en faire un combat. Un combat, comment je pourrais le décrire? Existentiel, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, les dirigeants d'entreprises comme Nike et blablabla ont transformé l'influenceur. Ils distribuent des offres lucratives à ce qui était autrefois considéré comme des célébrités marginales parce qu'ils doivent ou risquer d'échouer à un score de crédit social très important qui pourrait faire ou défaire leur entreprise. Imagine-toi. Donc, human rights, moi je ne sais pas là, mais human rights, vraiment, ça c'est. C'est une de vos priorités. Je pense pas qu'il soit dans la misère et qu'il soit menacé. Là, il est partout puis il fait de l'argent comme c'est pas possible, ce petit garçon-là. Ben, je dis petit garçon parce que c'est un adulte, là, mais il est tout petit. C'est assez spécial. D'ignorer les femmes, de prendre un homme puis de le promouvoir en tant que femme puis lui faire faire beaucoup d'argent, puis de même avoir les dirigeants des réseaux de grande télévision prendre leur. Journaliste, entre guillemets, ou leur commentateur, et aller interviewer des gens comme ça, comme Drew Barrymore le fait avec un autre influenceur du même type, puis lui demander de lui parler de la condition féminine. Moi, je veux savoir comment un homme peut parler de la condition féminine. C'est comme assez spécial. Puis encore là, c'était un autre blanc. OK? Tous ces signaleurs de vertu qui veulent tout te démoniser, puis te traiter de suprémaciste blanc. Moi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Chez Human Rights. Human Rights, je pensais qu'il y avait des problèmes vraiment plus urgents pour toutes les jeunes filles, les petites filles, les femmes de presque la totalité des pays, comprends-tu? Human Rights en fait un combat existentiel. Wow! Le HRC, hein, c'est le bon. L'enjeu est leur score. Corporate Equality Index, qui est supervisé par le Human Rights, le plus grand groupe de lobbying politique LGBTQ au monde. OK, moi, j'ai rien contre ça. Tout le monde vit sa vie comme il le veut. C'est pas au gouvernement et à qui que ce soit de se mettre le nez dans quoi que ce soit de ta vie sexuelle, religieuse ou autre. Mais de prétendre que ça, c'est un combat existentiel, alors que je ne sais pas combien de jeunes filles, des centaines de millions de jeunes filles dans le monde qui sont dans la misère. C'est quand même assez spécial. Wow! Le HRC, qui a reçu des millions de la part de l'Open Society Foundation de George Soros, entre autres, publie des bulletins pour les plus grandes entreprises américaines via le CEI, le fameux Corporate Equality Index, en attribuant ou en soustrayant des points pour la façon dont les entreprises adhèrent à ce que le HRC RC appelle ses critères de notation. Les entreprises qui atteignent un maximum de 100 points au total obtiennent le titre convoité de meilleur endroit où travailler pour l'équité woke, disons-le comme ça. Wow! C'est assez spécial. Et je ne sais pas, mais moi, quand je regarde les femmes en général, puis je regarde ceux qui jouent ce rôle-là ou qui sont imprégnés de cette idée-là d'être une femme, souvent c'est assez grotesque, c'est assez clownesque ce qu'on projette de la femme. Et honnêtement, j'ai jamais vu de femme qui ressemble à ça, qui s'habille comme ça, toujours, tu vas faire le tour sur toutes les plateformes de ces influenceurs. Que je rien contre ça. Je suis bien ouvert à ça. Puis ça fait partie du monde. Puis ça fera toujours partie du monde des gens excentriques, quand là on est comme ça, qui veulent vivre différemment.
Puis il faut les accepter parce qu'on est tous excentriques dans notre, à notre façon. Mais il n'y a pas une femme qui se comporte comme ça, là. Il n'y a pas une femme qui se comporte comme ça. Et c'est souvent, si tu faisais ça en tant que, disons, personnage amusant, ou si tu faisais ça pour amuser, disons, juste pour le plaisir d'amuser le public, c'est, et tu t'habillais comme ça, puis tu te comportais comme ça, tout de suite, on te traiterait de sexiste et de tous les maux de la terre. Comprends-tu? On te traite de tous les noms parce que ça, et de personnes qui dégradent la femme, et ainsi de suite. Mais que ça vienne de ces gens-là, et j'avais vu une entrevue de ce jeune homme-là, Dylan Mulvaney, qui disait « Oh mon Dieu, ça m'arrive souvent, je pleure à l'occasion, et ainsi de suite, pour décrire, puis essayer de démontrer qu'il se sent vraiment comme une femme. » Donc ça veut dire que lui, étiqueter une femme et de la stéréotyper, parce qu'il dit « Oh, je pleure souvent, je pleure. » Donc, c'est de réduire la femme, puis de stéréotyper la femme au fait qu'elle est émotive, puis qu'elle pleure, puis qu'elle fait rien d'autre, là. Mais si ça vient de gens comme ça, c'est incorrect. Mais si toi, tu te moquais, puis tu faisais une parodie de femme en disant les mêmes choses, tu serais attaqué de tout bord et tout côté. Comprenez bien, moi, j'ai rien contre ça, je suis ouvert à ça. Je trouve ça même extraordinairement intéressant. Mais il y a quand même une façon d'approcher cette question-là qui est quand même pas une crise existentielle, là, puis je pense pas que Human Rights ait vraiment choisi son bon combat. Enfin, ceci étant dit, les Républicains continuent de sous-performer, comme je te disais, parce que cette histoire-là de Roe versus Wade, c'est venu les mordre, parce que tu peux pas te mettre le nez dans les affaires du monde. Et les Américains, ils sont très fâchés. Et la confiance dans la Cour suprême est tombée à son plus bas niveau en 50 ans après cette fameuse décision, nous apprend l'Associated Press. J'ai tout laissé ces articles-là dans la boîte de description. Et il y en a un autre qui est le suivant. Ben tiens, juste, les Américains, les jeunes Américains meurent à un rythme alarmant, annulant des années de progrès, nous dit le Wall Street Journal. Les accidents de voiture, les homicides, les suicides et les surdoses de drogue ont fait grimper le taux de mortalité des enfants et des adolescents aux États-Unis. Moi, je ne sais pas, mais ça devrait être un des combats puis de Human Rights, entre autres, mais surtout les enfants, puis les jeunes femmes, puis les filles du monde entier qui sont dans la misère totale. Je ne sais pas, les priorités sont placées bizarrement. Pendant des décennies, les progrès des soins de santé et de la sécurité ont régulièrement fait baisser le taux de mortalité chez les enfants américains. Dans un renversement alarmant, les taux ont maintenant atteint leur plus haut niveau en près de 15 ans, notamment en raison des homicides, des surdoses de drogue et des accidents de voiture et des suicides. J'imagine qu'on peut extrapoler et avoir à peu près les mêmes résultats, toute proportion gardée au Québec, au Canada, en France et dans les autres pays européens. Donc, c'est très alarmant, c'est vraiment wow. En 2019 et 2020, le taux de mortalité global pour les 1 à 19 ans a augmenté de 10,7 et augmenté de 8,3 supplémentaires l'année suivante, selon une analyse des statistiques fédérales sur les décès dirigée par Stephen Wolf, directeur émérite du Center on Society and Health at Virginia Commonwealth University. Wow. Yay. D'autres pays développés, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada et la Norvège, ont également enregistré une augmentation du nombre de décès chez les jeunes au cours de cette période, bien que les augmentations aient été souvent concentrées dans des groupes d'âge étroits ou un sexe, selon le nombre de décès dans le monde fourni par Christopher, blablabla. Donc, comme je vous disais, c'est partout. L'augmentation des suicides est vraiment très, très, très inquiétante, comme l'augmentation des décès par surdose. Wow! Puis pendant ce temps-là, on a le Human Rights qui a fait une de ses priorités. La défense et le combat de, encore là, des jeunes hommes blancs, dans le fond,
C'est vraiment bizarre. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste te partager ça, pas offenser qui que ce soit, parce qu'à un moment donné, c'est tous des trucs qui sont vraiment anodins, mais tu vois que le complexe oligarchique dont Human Rights fait partie n'ont pas vraiment les priorités d'éliminer la pauvreté, de faire avancer le sort de l'humanité, parce que ce monde-là, ça fait depuis des milliers d'années qu'ils nous gouvernent. La classe dirigeante, c'est toujours les mêmes qui se transposent de famille en famille, de famille royale en famille royale au fil des siècles. Puis, dans le fond, tout ce qu'ils ont fait, c'est détériorer la vie, détériorer la qualité de vie de la majorité de la population. Ces gens-là ont eu amplement de temps de nous prouver ce qu'ils sont capables de faire. 3000 ans, disons, je reviens juste à 3000 ans, Moïse, la création des trois religions monothéiques par la force, l'imposition de ces religions monothéistes par la force, judaïsme, christianisme, islam, par la guerre, par les armes, par la conversion forcée, le contrôle de toute la richesse. Puis tu arrives en 2023, après 3000 ans, disons, puis disons 2000 ans de christianisme, hein, établi avec des pignons d'église partout, un contrôle de la population totale. Et qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Absolument rien. T'as encore 90% de la population qui vit dans la misère, pendant que les riches sont encore plus riches, à l'exception près qu'aujourd'hui, t'as encore plus de totalitarisme. Moi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est à vous de trouver quoi? Puis envoyez-moi vos commentaires dans mon courriel. Mon courriel est dans la boîte de description.